Вдоль обрыва, да над пропастью, по самому, по краю, а я коней соваю, а ногой кою, стегаю, погоняю, то ли вузом, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, мы другую не слушайте, блин. Но что-то кони мне попали. Non. Moi je veux un doux. T'en veux un doux? Oh, je crois qu'ils sont un peu trop grands là. Un peu trop grand? Ah, ben, il faut régler. Quand je t'attaque, il veut pas. À manier papa, allez. Révérateur, et d'agir, et d'ouspir, et d'appeler. Привет, Daniel. Привет, Аня. Aujourd'hui, je te présente Antoine Drogou, qui dirige le centre équestre de la Côte de Jade, à Saint-Prévin-les-Pins, dans le 44. C'est ça, Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Et ce sera l'occasion pour toi d'apprendre quelques mots de vocabulaire. Super! Bon, Antoine, si on te disait, allez, on fait 20 mots indispensables à connaître quand on fait du cheval. Le cheval, c'est vrai que c'est cogne au masculin. Mais on dit plus souvent « лошадь », on emploie très volontiers en russe le féminin pour le générique, pour le chat, le chien, le cheval, donc « лошадь ». Donc en effet, c'est une jument, une jument fjord. Peut-être son nom, « кличка », le nom d'un animal, c'est « кличка ». Son nom, donc c'est « Daisy », donc l'encolure, l'épaule, les flancs. Non, bok, le bok. La croupe. La croupe. Croupe, en russe, pareil, comme en français. La queue. Kvost. Les sabots. Les sabots, c'est kaputa. Kaputa. En neutre, kaputa. Donc, Daisy est ferré, donc ouais, le fer à cheval. Oui, donc le fer à cheval, c'est patkova. Patkova. La crinière, avec une mouche plate. Bon, une mouche, c'est moucha, et la crinière, griva. Griva. Les naseaux. Nozdri. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le toupet. Le toupet, c'est quoi? C'est comme une frange? C'est la petite frange à l'avant. Donc là, on est dans une écurie. On a attenant le manège. Manège. Oui, s'il y a même la place du manège à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Les selleries où on va trouver tout le matériel pour pouvoir préparer son cheval avant d'aller se promener. On va utiliser majoritairement une selle, un tapis de selle, un filet. Il est beau, mon cheval. Il est beau, mon cheval. Alors, bichon. Petit bichon. C'est pas moi. C'est bien. Alors, le tapis, il a un sens. Attendez, oui, le tapis dans un sens. Vous mettez les oreilles du tapis. Tu viens la serrer? Si tu n'y arrives pas, ça c'est pas très grave. Comme ça. C'est pas très grave, on peut laisser comme ça. Ok. En passant, on va trouver. Ça s'accroche avec ça. On passe dans les petits rouleaux. Hop, voilà. Au moins. Ah bah oui, tu viens de l'autre côté, en passant loin derrière, on va venir attacher la sangle. Après, il faut que tu arrives à le mettre avec ça. Hop, pareil pour l'autre, tu fais tout ça. Donc les écuries cagnouchnia, cagnouchnia du mot cogne.
Dans les écuries, on peut trouver, donc on a dit le конь, лошадь, le bébé poulain, жеребёнок. Жеребёнок, c'est rigolo parce qu'un enfant, c'est ребёнок. Et le cheval enfant, c'est жеребёнок. Et c'est la même racine, le même radical que жеребец, les talons. Voilà, жеребёнок, poulain, жеребец, les talons. Il a déjà un nom? Oui, Corona. Corona killer. On est au mois de mai là, pendant le confinement. Magnifique. Et t'en as beaucoup par an? Non. C'est rare? Là l'année prochaine j'en aurai deux. A priori parce que j'ai mis mon cheval derrière. Mon cheval il est pas castré. En fait un entier c'est un cheval pas castré, un étalon c'est un reproducteur. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Мы другую не слушайте болезнь. Но что-то кони мне попали. Alors le filet, ça se compose des rênes, du frontal, de la têtière, de la muserolle. C'est l'ensemble de ce qu'on va mettre sur la tête du cheval pour pouvoir le diriger. C'est pas seulement les rênes. Les rênes, c'est ce qu'on tient dans les mains. Bien sûr. Voilà. Donc chaque partie, chaque sangle a son vraiment chaque, son chaque nom. Petit chaque petit bout a un nom, spécifique. Donc on connaît effectivement les rênes. En russe, c'est vojé. Après le mort. C'est ça, le mort, c'est Udila, en russe. Je pense qu'avec le mort et les rênes, déjà, tu peux t'en sortir. La plupart des gens qui montent à cheval, qui débutent, voient pas vraiment la différence. Donc, je pense que ça devrait aller. Les rênes par-dessus l'encolure. Tu fais comme ça, toc, et comme ça. Ensuite, comme ça, mais il faut lui mettre le doigt dans la bouche, ici. Pas moi. Bon, comment ça, pas toi? Regarde, facile. Regarde, il n'y a pas de dents ici. Il faut lui faire ouvrir la bouche. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Tac. Ça fait mal? Non, pas du tout. Mais s'ils avaient des dents ici, on ne pourrait pas mettre le mort. Mais... Oh, non, tu vas monter. Tu vas sauter dessus, non? Oui, il est trié. Je connais l'étrier. Mettre le pied à l'étrier. L'étrier, ça va être stremia. Stremia, au pluriel, stremina. Ça fait partie des mots neutres qui sont des exceptions. Il y a ya à la fin. Et au pluriel, c'est comme vremia. Vremia, imia, stremia. Et au pluriel, imina, vremina, stremina. Crazy. Пьет воду. Ураган заметет с ладони, и в санях меня галопом понесут по снегу кони. Вынося неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь последнему. Le fait de monter à cheval, on dira сесть. Сесть на лошадь, сесть на коня. Donc, s'asseoir. On dit même monter dans l'avion, on dit pareil, сесть. Ça m'alloue. Et monter à cheval dans le sens faire du cheval, c'est ездить верхом. Ездить, c'est l'un des fameux verbes aller, qui sont nombreux en russe, donc pour dire quand on prend un moyen de locomotion, ou quand on monte à cheval, ou quand on ne serait-ce qu'un vélo, à vélo ou à moto, peu importe, quelque chose qui nous transporte
ça va être ехать, ездить. Верхом. À cheval, верхом, верх veut dire en haut. Donc voilà, rouler en haut. Et d'ailleurs, le centre équestre, ça va être центр верховой езды. Верховая езда, c'est l'équitation. Верховая езда. Езда, c'est le même mot que ездить, le verbe. Езда. Et верховая, верх, encore une fois, en haut. Et la selle, après, c'est седло. Седло, сидеть, седло. Il y a е и la voyelle qui alterne. Седло pour la selle. Seller le cheval, ça va être седлать коня. Седлать лошадь. Седло, седлать. Pareil. Оседлать au perfectif. Седлать, оседлать. Et si on décèle, ça va être расседлать, avec le préfixe рас, pour dire on décèle. Comment est-ce que le cheval s'exprime? Qu'est-ce qu'il fait? Quelques verbes peut-être? Il peut s'exprimer de différentes façons. Il peut faire une roulade, il peut se cabrer. Alors, une roulade. Il peut faire une roulade aussi. il exprime le bien-être et la décontraction. Donc, roulade, c'est quand il fait ça. C'est ça, coup de pied. Roulade, cabrer, c'est quand ça, il fait c'est... comme ça. Mm-hmm. Donc, la roulade ruée, ça va être legazza. Legazza. Se cabrer. Ouais. Se cabrer, ça va être на дыбы. Встать на дыбы. Se mettre debout. На дыбы. Je ne sais pas si debout ne vient pas de debout. Ça ressemble un petit peu, ouais. Mais oui, c'est sympa. Ça peut être un moyen mnémotechnique. Juste. Après, il communique aussi avec ses oreilles beaucoup. Ouais. Les oreilles ont un langage. Bah, par exemple, si elle se met comme ça, c'est qu'elle va se poser une question. Si elle met les oreilles vraiment en arrière, c'est qu'elle n'est pas contente. Si elle les met en avant, ça peut être qu'elle est attentive à quelque chose. Ça fait partie des choses qu'on peut déceler très facilement. Alors, quand un chien parle, on dit qu'il aboie, et un cheval. Le cheval. Cogne, rjot, c'est le verbe rjat, qu'on emploie d'ailleurs pour rire aux éclats. Est-ce qu'on dit ça en français, éclats et ni? Non, c'est vraiment réservé aux chevaux. Il n'y a pas d'expression, je pense. Alors, quand on commence à faire du cheval, j'imagine que les débutants ne vont pas tout de suite se mettre à courir à cheval. Non, on commence au pas, on poursuit au trot, et après seulement on galope. D'accord. Les chevaux ont trois allures, il peut y en avoir d'autres, mais le pas. Le pas, c'est chat, donc chat, chat. Le trot. Le trot, c'est en russe, c'est rsta. Rsta. Et le galop. Et le galop, galop. Ah, facile. Ouais. Ça, je vais m'en souvenir. Quand il a remonté la tête, il faut penser à arrêter de tirer. Il faut tirer pour remonter la tête et le faire avancer avec les jambes. Parce que quand il avance, il ne mange pas. T'as aussi de l'avoine. C'est deux petits sucres. Ah, ça c'est la voix. Ouais. Ça. Elle en a pas besoin de beaucoup, par exemple. C'est en fonction des animaux et en fonction de leur activité, en fait, qu'on complémente. Mais en réalité, le cheval c'est un herbivore, ça mange de l'herbe principalement. Après, les petits poneys, ils mangent pas beaucoup de granulés, ils en ont pas vraiment besoin. Mm. Et le cheval, à l'état naturel, mange pas de granulés. Les chevaux qui sont près du sang, près du pur sang anglais, par exemple, ont besoin de manger davantage. Là, elle a fait du sport justement, elle a fracturé, donc il va falloir la brosser. Ouais, je crois qu'elle va être contente. Elle l'a bien mérité, Daisy. Merci pour la vidéo, Daisy. Et bien, merci Antoine pour ton accueil dans ton centre équestre, le centre équestre de la Côte de Jade, à Saint-Brévin-les-Pins. Merci beaucoup, Anne, d'être venue. Merci. Ah. Elle participe, elle dit au revoir. C'est ça. Paca. Paca. Чтобы не несели так быстро лясы.